In English, please. Okay. You guys were almost exiting the tournament. And here we are. You are on the way to the final. What have you done to turn this team around from losers to almost winners? Comme je l'ai dit avant le match du Sénégal, on revenait de loin. On était presque éliminé de la compétition. On doit notre qualification à la victoire du Maroc sur la Zambie. Donc, dès la qualification obtenue, dès la qualification validée, on s'est de suite reconcentré sur le groupe. Il fallait redonner un peu de confiance au groupe parce qu'on venait de vivre des jours vraiment difficiles. Donc redonner d'abord de la confiance au groupe et faire comprendre au groupe que si on voulait aller plus loin dans la compétition, il fallait qu'on soit encore plus soudés et plus solidaires sur le terrain. Parce que vous pouvez être solidaire en dehors du terrain et si vous ne mettez pas cette même solidarité sur le terrain, c'est très très compliqué de gagner parce que c'est une compétition qui est très difficile. Quand on regarde les équipes qui sont encore en compétition, on va prendre le Nigeria comme par exemple, on sent depuis leur match contre nous qu'ils ont une solidité défensive, qu'ils ont une équipe qui est très très solidaire, qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Et c'est cette solidarité-là qui fait bien sûr avec les qualités individuelles des joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, mais en plus de ça, le bloc, l'esprit d'équipe qu'ils ont leur a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc nous, on voulait pour préparer ce huitième de finale, recréer cet état d'esprit d'équipe. Parce que moi, je savais personnellement que j'avais individuellement des joueurs de qualité et que si on recréait cette dynamique collective, on arriverait à franchir les étapes les unes après les autres et retrouver confiance.